Welcome and guys, Nova Executor for the new video in my channel YouTube. And the video, and the... Non, je rigole, bon, allez, je peux pas parler anglais, ça va pas le faire. Un petit délire. Non, bon, welcome tout le monde, c'est The Executor. On se retrouve pour une nouvelle vidéo info. Mais vous allez me dire, encore une fois, une vidéo info. Donc, tout au début de cette vidéo, je voulais réagir à propos de ça. C'est vrai qu'en ce moment, vous allez me dire, j'ai beaucoup de vidéos IRL, hein, le setup gaming, le métier du setup gaming, une vidéo info, une autre vidéo info. Enfin bref, pas beaucoup de vidéos gaming, vous allez me dire, vous pouvez me le reprocher, c'est logique. Même si mes vidéos gaming font plus énormément de vues, mais voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo gaming, allez la voir. C'est un gameplay sur Code 5. Ça peut être pas mal pour ceux qui aiment bien Code 5. Mais voilà, bref, on s'en fout. Non, en fait, aujourd'hui, donc on est mercredi au moment où je filme cette vidéo. Et je sortirai cette vidéo info jeudi. Et donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Je sais plus si je l'ai dit, mais bref, on s'en fout. Je deviens fou. Voilà. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai tenté de faire un Road to Across sur AW. De 13h à 14h. Tous les mercredis, j'en fais un Road to Across de 13h à 14h. Hein, vous pouvez me rejoindre. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne secondaire. J'en fais soit sur AW, soit sur AW. Et cette fois-ci, je me suis dit, oh bah allons sur AW, tiens. Tant idée. Alors j'ai essayé de filmer. J'étais avec un abonné et puis un pote. C'était génial. Ils étaient sympas et tout. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Mais c'était génial dans le sens où les parties sont injouables, quoi. Genre sur Black Ops 2, vous êtes en train d'accrocher. Déjà, vous avez le tonneau qui peut rebondir. En plus, les drapeaux sont pas forcément tout près du spawn. En plus, t'as pas le double jump pour aller plus vite au drapeau. Les drapeaux se prennent pendant 3 secondes. Voilà, sur Black Ops 2, c'est bien. Alors que sur AW, le Spydrone, il va à une vitesse, mon dieu, une lenteur. Le Spydrone ne va pas vite du tout. En plus de ça, il rebondit pas, cette merde. En plus de ça, les mecs avec leur jetpack, enfin leur exo, là, ils peuvent aller, enfin, ils font un jump puis son drapeau, donc laisse tomber, quoi. Donc moi, je vous le dis, les gars, sur AW, j'ai tenté de faire un droit de toi cross pendant une heure, mais c'est impossible, quoi. Tu te fais défoncer. Système A toutes les deux secondes, bombardement toutes les secondes, le vieux drone qui lance des roquettes, là, qui se balade dans les airs. Un peu en mode Dragonfire qui balance des trucs tous les deux secondes. Pff, des Warbirth, tout ce que vous voulez. Le pire, c'est sur ce jeu. Mais vous allez en domination, vous prenez un drapeau, vous gagnez 250 points. Hein. C'est génial. Et même si vous prenez votre drapeau au début, c'est pas 50 points comme sur Black Ops 2. Hein. C'est 250 points. Hein. Ensuite, en plus de ça, vous faites un kill, c'est 100 points. Et les score streaks sont hyper bas, quoi. Genre, le plus gros score streak, c'est le Paladin. Il a 1200, je crois. Et le Warbirth, il appelle à 925. Vous mettez 25 de plus et vous avez... Le Warbird transforme en Iron des furtifs, c'est génial. Vous mettez 300 plus les roquettes. Alors je peux vous dire que les mecs, ils font 2 kills, ils prennent 2 drapeaux, ils ont tout leur score streak. Hein. C'est vraiment génial ce jeu. Enfin, j'aime bien W, mais pour tenter des accroches dessus, oh là 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 là, c'est impossible en domination de tenter des accroches dessus. J'en ai rentré un, je me demande comment je l'ai fait quoi. Donc bon, bah j'essaierai de rentrer des accroches encore une prochaine fois. Hein. Dans une ou deux semaines, je ferai un RTA sur W, mais cette fois-ci en RD. Tant pis que je tente des spots de demi en RD, mais voilà. Je peux vous garantir que essayer de rentrer des accroches en demi. Je sais que j'ai fait mes spots en demi, c'est bien pour la début de partie ou pour un moment où vous avez le temps, mais je peux vous garantir que moi, avec ma connexion et les parties sur lesquelles je tombe, mais c'est injouable quoi. Je vois des gens, ils tombent sur des noobs et tout, ils arrivent en accroche, mais moi, je cours, j'envoie mes deux Spydrones, t'as déjà un mec qui m'a tué avant que je les ai envoyés quoi. Alors que c'est le début de la partie depuis 3 secondes, allô, non mais, un truc de what the fuck quoi, un truc de fou. Donc voilà, j'en perds mon français, c'est un truc de malade. Donc les grottes to cross, c'est assez compliqué sur AW. Donc bah, si j'arrive pas à rentrer d'autres accroches sur W, je mettrai pas mon accroche dans le montage parce que je peux mettre un vieux accroche sur W avec 20 accroches sur BO2, il se sentira un peu seul l'accroche sur W. Donc voilà, je le mettrai peut-être en OCE ou dans un frag movie, on verra. Bref, de toute façon, si je peux vous dire vite fait ça, pourquoi je ne sors plus de RTA, parce que tout simplement, vu la communauté sur W et vu la facilité à débloquer des streaks et vu la connexion, la qualité magnifique de cette connexion et des serveurs, c'est quasiment impossible quoi. Enfin bref, donc voilà, vous savez pourquoi je ne fais plus trop de RTA, mais la semaine prochaine je refais un sur BO2 cette fois, et je pense qu'à W je retenterai la prochaine fois en R&D, donc plus je tenterai des spots de demi en R&D qui peuvent quand même marcher, puisque bah, c'est des spots pas que sur les drapeaux ou à des endroits très fréquentés de début de partie. Voilà, on verra bien, donc c'était pour vous dire ça vite fait, si vous voulez me rejoindre en RTA, je vous ai dit abonnez-vous à ma chaîne secondaire et vous serez au courant de quand je suis en live, tout simplement. Sinon, ce que j'avais à dire d'autre, très important, je cherche un GFX. Alors, il y a des abonnés qui m'ont envoyé leur clip pour le top 3 de la Linux Gaming que je compte faire. Le top 3 of the week. Et voilà, donc ça fait 2 semaines que j'aimerais bien le faire. Sauf que la personne qui devait faire l'animation ne le fait pas. C'est-à-dire Sinox, merci beaucoup. Non, rigole. C'est le bâtard qui règle ses comptes sur sa vidéo. Vas-y, t'es un connard. Non, rigole. Non, sérieusement. Voilà, donc il l'a pas fait. Il doit être occupé autre chose, j'en sais rien. Mais bref, il me faut un GFX pour me faire intro, outro. Et pour me faire les animations, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3 pour le top 3. Quoi. Parce que là, je n'ai pas de GFX qui veut. Enfin, je ne trouve aucun GFX, ça serait sympa. Un GFX qui me rend juste le service de faire ça, plus me faire une petite bannière, un petit logo si possible. Voilà, je sais que. Voilà, mais bon, ça serait pas. Ce serait bien quand même, franchement, ce serait bien. Parce que là, c'est un peu de la merde mon logo et ma bannière. Enfin, ma bannière est bien, mais il y a un E en plus, donc c'est un petit peu relou.
Donc voilà, toutes les personnes qui m'avaient promis de m'aider, etc., le font pour moi, donc c'est génial. Donc s'il y avait un GFX, si vous voudriez bien me faire ça, les animations, les intros et l'outro pour mon top 3 et me mettre ça, ma bannière et mon logo, ce serait vraiment sympa. Un collègue youtubeur qui sait faire ça, ou je sais pas, un GFX agréé par la France, n'importe quoi. Mais venez m'aider s'il vous plaît, ce serait vraiment sympa de votre part, parce que ça fait des abonnés qui me disent, bah je t'envoie des clips, mais tu veux pas de top 3, bah oui, je sais bien les gars, je suis vraiment désolé, merci à vous de m'envoyer vos clips. Déjà, il y en aura quand même beaucoup plus que je connais qui pourraient m'envoyer des clips, donc ce serait sympa de continuer à m'envoyer des clips, parce qu'il y a peut-être 3 personnes sur les 10 sûrement que je connais qui ont des clips qui m'ont envoyé quoi. S'il vous plaît les gens, faites pas les radins, hein. J'ai pas le vous de voler votre clip et dire que c'est à moi, hein. Si je pour un top 3, donc voilà, si vous avez des clips, envoyez-les, ça fait toujours plaisir, s'il vous plaît. Mais voilà, mais les gars, c'est gentil de m'envoyer vos clips, etc. Mais si j'ai pas de GFX pour me faire les intros, je fais quoi? Je fais défiler les clips et puis je dis, et puis je commande comme ça à l'arrache? Ouais. Ou bien je fais moi-même les intros. Oh putain, vous allez voir le résultat, vous allez vomir quoi. Non, laisse tomber. Donc voilà, je cherche donc un GFX, c'est très important, s'il vous plaît, un GFX pour me faire tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Ouais, je pense. Juste aussi pour ça, pour vous dire vite fait, si vous voulez que je fasse une vidéo gaming, donc demain. C'est-à-dire, je la filmerai jeudi et je pourrais la faire vendredi, une vidéo gaming ou pas. Dites-moi ce que vous voulez parce que je ne peux pas jouer à la Play les jours d'école. Donc, je ne pourrais pas jouer à la Play jeudi, ni aujourd'hui d'ailleurs, je ne peux plus jouer là. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo pour vendredi, parce que bah, moi j'ai envie de refaire une vidéo, mais je ne sais pas trop sur quoi. Conseillez-moi un jeu sur PC ou une vidéo IRL à faire. Conseillez-moi un truc à faire si vous avez envie que je fasse, bah, que je fasse ça, que je fasse une petite vidéo pour vendredi. Si vous voulez pas de vidéo pour vendredi, bah, ne me suggérez rien, voilà. Tout simplement. Et sinon, autre chose que j'avais à dire, donc voilà, j'ai pas mal de choses à dire, c'est que ma série pour les défis que je vais faire sur Black Ops 2 va commencer. Donc voilà, ma série que j'avais dit, les abonnés choisissaient, bah, la plupart du temps, les abonnés m'avaient proposé des défis, etc. Donc bon, il y en avait qui voulaient que je fasse du zombie avec les abonnés, etc. Ça, j'en ferai, vous inquiétez pas, les gars, je ferai des vidéos zombie avec les abonnés, je ferai des lives avec les abonnés, vous inquiétez pas, les lives, c'est surtout les RTA. Parce que bon, RTA, vous pouvez venir avec moi sans vouloir tenter un Across, vous pouvez tenter des clips. C'est un peu un road to clip, quoi, mais j'appelle ça RTA parce que moi, mon but, c'est tenter des Across. Après, si vous voulez rentrer une code feed où on ira dans n'importe quel mode de jeu, moi, je m'en fous, hein. J'appelle ça RTA pour faire ça à ma sauce, vous voyez. Mais voilà, des lives avec les abos, je peux déjà aller RTA, multijoueur, mais en zombie, vous inquiétez pas, j'en ferai, etc. Mais je voudrais faire comme série, une série que je ferai. Je pense que je la ferai en solo, pas avec les abonnés, c'est mieux de la faire en solo. Parce que voilà, je vais pas faire trop de séries avec les abonnés non plus. Puis c'est mieux parce que s'il y a un abonné qui m'aide à me donner des drones, etc., c'est moins marrant. Vous voyez, vraiment en solo tout seul, quoi. Ou avec une. Je sais pas, avec une personne, mais voilà, quoi. Pas avec 3-4 abonnés derrière moi non plus, hein. Tu sais, blocage de spawn, tu sais. Non, 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 franchement, non. Mais voilà, mais des défis. Perf, mais fun. Comment expliquer ça? Je sais pas, par exemple, me faire. Enfin, vous pouvez faire des défis fun et des défis perf, mais mixer les deux en gros. Du genre, je sais pas, jouer au SVU silencieux à COG, un truc comme ça, et faire un plus de 30 kills en domination, enfin des trucs comme ça. Bon, montez pas la barre trop, me dites pas, fais une nucléaire, on met les générales, les exécutants, Akimbo. Non mais là, non les gars, là, ça va pas le faire. Même faire une nucléaire, on met les générales ou en domination, c'est pas possible. Même en blocage de spawn, je sais pas si j'arriverai à faire une nucléaire. Enfin si, j'abuse un peu, mais voilà. Non mais pas des défis trop compliqués, les nucléaires, etc., laissez tomber, hein, parce que sinon, faut que je demande à mes coéquipiers de m'aider. Et voilà, des trucs pas trop compliqués, hein. Vous pouvez faire voilà, des défis assez sympas, hein, c'est marrant. Oui, faut que ce soit un défi perf, mais pas trop compliqué et fun. Donc voilà, ça reprendra les bases de ma chaîne. Un défi rush, mais fun. Ça peut être des défis axés sur le fun, comme j'ai dit. C'est-à-dire, bah, je sais pas, faire plus de 20 kills au SVU silencieux tout en restant un petit peu perf dedans. Hein. Ou gagner les générales exécutants, voyez, des trucs comme ça qui sont un peu perf, un peu fun en même temps. Et ça peut aussi être un défi rush, parce que vu que ma chaîne c'est The Executor Rush and Fun. Et eh ben, ça peut être des défis rush. Par exemple, moi, vous savez que je suis quelqu'un qui joue beaucoup de l'objectif en domination. Vous pouvez me dire, bah tiens, le défi sera de gagner la domination avec, je sais pas, 150 points d'écart. Le défi sera de prendre 15 drapeaux en domination, de faire 40 défenses. Défi de sortir un ADAV au couteau, voilà, un truc comme ça. Bon, ça peut être compliqué, mais je pense que je pourrais quand même y arriver. Voilà, défi jouant MME avec le petit pistolet et faire une sans pitié, voilà, ou des trucs comme ça. Ça peut être des défis sympas comme ça. Donc voilà, proposez-le en commentaire cette vidéo. Proposer donc déjà un défi pour comment dire, pour le premier épisode qui sortira normalement mardi prochain. Et à chaque fois, vous proposerez le défi pour l'épisode suivant sur la vidéo du défi. Par exemple, je m'explique mieux. Le défi de l'épisode 2, vous le proposerez sur l'épisode 1 en commentaire. Dire, ah, bonne vidéo, je vous le propose pour défi pour la prochaine. Voilà, mais vous ne proposez pas sur une vidéo comme ça. C'est genre, je vais pas sortir une vidéo avec un commentary en parlant de la guerre mondiale. Et d'un coup, vous allez mettre, ah, très bonne vidéo, comme défi, je te propose. Non, ça ne va pas trop. Ouais. Mettez ça avec les vidéos en rapport, mais pour celle-là,
Je vous autorise, c'est le gars qui fait trop le malin. Donc voilà, mais je vous autorise en gros à poster votre défi. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait pas mal de trucs à dire, ouais. Voilà, c'est pour vous donner des nouvelles. Donc voilà, je récapitule vite fait comme je le fais tout le temps. J'ai besoin d'un GFX. Donc trouvez-moi un GFX s'il vous plaît, ce sera super sympa de votre part. Un GFX, je vais même faire bah, mes top 3, mes intros ou trop de top 3 et une bannière, un logo, voilà. Proposez-moi donc des défis, enfin un défi à faire. En commentaire cette vidéo pour ma série Les défis des abonnés, je pense que je vais l'appeler comme ça. Voilà. Proposer un défi. Et si vous voyez que la personne propose un défi à peu près comme le vôtre, bah likez son commentaire. Parce que si j'ai 5 commentaires en proposant 5 classes différentes, je ne vais pas tirer sur le commentaire. Vous voyez, je ne vais pas non plus prendre par préférence. Proposez-moi des. Je sais pas. Proposez-moi, ouais. Proposez-moi chacun un défi si vous voulez. Et je pourrais. Je verrai. Je sélectionnerai celui qui me plaît le plus. Mais ça veut dire que par exemple, si je sélectionne celui de l'expiration, on va dire c'est un exemple. Je peux très bien sélectionner celui d'un autre abonné après, parce que voilà, je me suis dit, bah, vu que lui m'a proposé la dernière fois, je vais quand même le sélectionner pour celui d'après. Voilà. Donc voilà. Donc proposez-moi des défis des abonnés en commentaire cette vidéo. Et la dernière chose, je ne sais plus ce que c'était, bah, au pire, vous revenez dans la vidéo. Voilà, c'est tout. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Je parle beaucoup, j'oublie des trucs, mais voilà. C'est l'école qui fait ça, putain, l'école. Non, voilà, bref. On s'en fout. Désolé pour cette vidéo un peu de merde. Là, je commence à l'arrache et tout. Vous me connaissez des vidéos info. Ah oui! La troisième chose, c'était proposez-moi une vidéo à faire pour vendredi. Donc, proposez-la moi en commentaire cette vidéo et faites que je vois ce commentaire avant que ce soit 19h le soir parce que j'ai pas filmé un truc. Donc, proposez-moi soit une vidéo gaming devant l'ordi, même si ce sera assez drôle derrière la caméra, ou proposez-moi une vidéo IRL. Je veux que je fasse un truc chelou ou n'importe quoi. Proposez-moi, c'est le moment de vous lâcher, les gens. Bon, pas cours à poil dans la rue, saute 2-3 balcons et monte ta teub à tous les voisins. Hein. T'imagines bien le mec qui me propose ça en commentaire. Ouais, tu 4 mecs à la hache comme dans GTA 5. Mais voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo IRL en mode braquage de banque ou Call of Duty, voilà, j'ai des flingues derrière, il y a moyen. Ouais, non, mais je dis ça en sérieux, mais pour rigoler quoi. Bref, moi là, les gars, déjà pour cette petite vidéo de merde. Je fais une dédicace à la FRCC, donc une chaîne communautaire. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est une super chaîne communautaire. Donc voilà, je leur fais une dédicace parce qu'ils m'ont upload sur leur chaîne avec ma vidéo 15 informations à savoir sur Call of Duty. Donc voilà, j'espère qu'ils m'uploaderont pour mon prochaine vidéo. Ce sera un top 8 sur des youtubeurs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et merci à la FRCC encore une fois. Allez vous abonner à leur chaîne, ils sont géniaux. C'est une chaîne communautaire 100% code. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris dans cette vidéo. Désolé de ne pas avoir été hyper clair. Désolé de vous montrer ma chambre parce que bon, je vais pas prendre la caméra devant moi comme un con. Laissez un like, commentez et abonnez-vous. Proposez tout ce que je vous ai dit en commentaire, s'il vous plaît. Commentez, c'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était The Executor. Allez, bye les gens!